Bonjour à tous, c'est une nouvelle semaine qui débute avec des problèmes de santé. En tout cas, l'ARS cette semaine est très présente puisqu'il y aura des journées de la santé qui débutent demain. Mais en attendant, on parlera de Zika, bien sûr, un peu plus tard, mais ce sera autour de Jessie de nous développer tout ça. Bonjour Jessie. Bonjour Danick. Le week-end a été bon ? Oui, ça a été. Merveilleux ? Oui. Ouais. Bon, on voit ça à votre tête. En tout cas, on reçoit tout à l'heure Marcel Sisiska. On va parler de l'eau. C'est un dossier, c'est bien le cas de le dire, qui est brûlant en ce moment. Je ne sais pas si l'eau est chaude ou très froide. On va en parler. On va parler aussi du mois de l'Afrique. Esther Murtil est avec nous. Voilà de l'étrangère, cette pièce. Et puis, Pierre-Emmanuel devait être avec nous pour des journées sportives dans la région bastérienne, mais malheureusement, il ne sera pas là, mais on va survivre quand même. Et on va passer tout de suite au titre de l'info avec Jessica. Jessie, pas de cas. Après la Martinique et la Guyane, le virus Zika est désormais en Guadeloupe. Deux cas de Zika ont été enregistrés à Saint-Martin et en Grande-Terre. L'ARS relance l'alerte. Toujours pour rester dans le domaine donc de la santé, l'ARS organise toute cette semaine les journées de la santé. C'est à cette occasion que le Crêpes des Antilles et de la Guyane organisait ce matin une matinée porte ouverte, placée bien sûr donc sous le thème de la santé. Notre équipe était sur place. La DOM est dorénavant un établissement public administratif. Une cérémonie de lancement s'est déroulée vendredi dernier au ministère, là où la DOM aura désormais son siège. Les images tout à l'heure avec notre correspondant Maurice Cessé. Ben, merci Jessie, sans cas. Et on va se retrouver tout à l'heure pour parler de tout ça, développer les titres. Mais pour l'heure, on reçoit M. Marcel Sisiska. On l'avait raté l'autre jour parce qu'il était ADE et justement pour une affaire d'eau. Et comme c'est un dossier, je le disais tout à l'heure, qui était très chaud en ce moment, il était normal qu'on reçoive quelqu'un qui va un petit peu apaiser les choses, nous expliquer un peu ce qui va se passer. Alors, Marcel Sisiska, bonjour. Bonjour, M. Zandolis. Bonjour aux éditeurs, aux téléspectateurs de Canal 10. Et merci d'être venu rattraper le coup, comme on dit. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors, pourquoi l'eau aujourd'hui, il y a autant d'agitation dans l'eau? Tout d'abord, nous sommes au mois de janvier. Permettez que je adresse mes meilleurs voeux aux téléspectateurs de Canal 10, les Guadeloupéens, les Guadeloupéennes, mais également les Pointoises et les Pointois, dont je suis le représentant au conseil départemental. Ben, pourquoi l'eau suscite autant d'intérêt, je dirais, en cette période de début d'année? C'est parce que nous avons fait un constat il y a quelque temps, nous à l'Office de l'eau, qu'il y avait trois problèmes majeurs qui se posaient. Un problème de réseau, deuxièmement un problème de production et troisième problème de gouvernance au sens de la gestion même de l'eau en Guadeloupe. Je rappelle aux téléspectateurs qu'il y avait 12 entités qui géraient de façon irrégulière à la fois la gestion, la distribution et la production de l'eau en Guadeloupe. Et nous avons constaté, hein, à la demande du président du Conseil général de l'époque, M. Gillot, et même est confirmé qu'il était nécessaire de se regrouper pour être efficace et donner l'élément essentiel à la population, c'est-à-dire leur donner de l'eau régulièrement, de l'eau de qualité au robinet, quel que soit le lieu où il se situe dans notre archipel. Je dis bien notre archipel parce que nous sommes un archipel. Oui. Et donc, c'est ce constat qui a été fait. Est venue la crise de fin 2014, où les employés de la Générale des Eaux se sont mis en grève, justement pour dénoncer aussi ces difficultés. Et donc, ça a accéléré le processus. Et le préfet a demandé au sous-préfet d'aller encore plus vite dans le processus de regroupement et de résorption des problèmes financiers du SIAC. Voilà, un petit peu dresser le constat. Et parallèlement, bien sûr, l'Office de l'eau a mené avec le comité de bassin toute des procédures, soit de consultation, et qui a permis de rédiger ce qu'on appelle le SDAGE, le schéma directeur d'aménagement eau et assainissement de la Guadeloupe, qui a été validé. Et le décret signé par la ministre de Ségolène Royal le prouve. Donc, si vous voulez, tout le monde va dans le sens de ce regroupement, parce qu'il paraît essentiel, je crois que la population en est consciente, qu'il nous faut nous regrouper pour être efficace, pour répondre à cette problématique-là. D'accord. Voilà, brosser très brièvement le tableau. Et parallèlement à cela, on n'est pas resté sur des schémas. Mmh. On a quand même fait des plans d'urgence. Vous vous souvenez des deux tables rondes organisées par le département et ensuite par la région, qui a mis en place des plans d'urgence financés par les trois collectivités majeures et l'Office de l'eau pour pouvoir répondre à l'immédiateté des problèmes à la fois à Port-Louis,
au Moule, en créant des unes supplémentaires à Sainte-Rose, à Sainte-Rose, au Lamantin, et bien sûr, vous avez vu récemment AD, tout ça participe au processus parallèle que nous mettons en place pour régler le problème à la fois de production et le problème de réseau. C'est vrai que c'est pas suffisant, il faut aller plus loin, mais comme je vous l'ai dit dans mon introduction, il faut se rassembler pour pouvoir être plus efficace. Et on le voit parallèlement à tout cela, c'est que le président de la République, quand il est venu, nous a dit « mettez-vous d'accord, quand on va à Paris, à l'ONEMA, on vous dit « mettez-vous d'accord et nous sommes prêts à vous accompagner ». Et c'est ça que nous avons mis dans les constats qui permet aujourd'hui de dire qu'il faut passer, franchir le cap. Les statuts ont été rédigés, peuvent être aménagés ou pas, mais il faut franchir ce cap-là pour constituer au courant de cette année, de ce mois. Même. Parce que normalement, c'est le 14, tout de suite. Voilà, fait, le préfet, il a un mois, comme c'est un syndicat mixte ouvert, le préfet, il a tout en main pour pouvoir prendre l'arrêté de constitution. D'accord. Jessie ? Quel délai il faudra donc prévoir pour que tous les robinets soient équipés en eau potable ? Ah ben, il faut accéder. Donc, c'est pas un coup de baguette magique. Il ne faut pas laisser croire aux gens que c'est demain matin. Mais en tout cas, il y a un processus d'amélioration. Quand vous regardez Jean Port-Louy, pour lequel nous avons fait une usine, vous n'entendez peu parler des Jean Port-Louy. Autre exemple plus récent au niveau du Moule, l'installation de l'usine a permis d'améliorer la situation. Il n'y a pas quasiment plus de coupures. Bien sûr, il reste que le réseau, il est fuyant, donc il faut s'attaquer à ce processus-là. Dans le schéma qui a été développé, puisque je rappelle le SDAJ, qui vaut 2016-2021, donc on colle aux directives européennes, il nous faudrait 5 ans si on fait un plan massif, à la limite un plan Marshall, pour pouvoir s'attaquer à ce problème-là. À condition, bien sûr, que cette mutualisation se fasse, que l'ensemble des collectivités qui ont la compétence se rassemblent pour pouvoir régler ce problème. Donc, je dirais que le minimum, c'est dans ce schéma qu'il faudrait 4-5 ans pour pouvoir vraiment avoir des résultats à la fois de la qualité, parce que c'est le réseau. Et je rappelle aussi, nous avons le problème de la fuite à la fois qui amène l'eau au site qu'il faut régler. Donc tout ça fait partie de ça. Mais alors, il y a une question que beaucoup de téléspectateurs se posent, nous vous envoient par SMS, par Facebook, etc. C'est la question du prix de l'eau. Est-ce que la création de ce syndicat Haute-Guadeloupe va permettre d'harmoniser les prix et d'avoir des prix, non pas à la hausse, mais au moins de façon équitable? Parce que je ne parlerai même pas des factures à 17 000 euros que certaines personnes ont, etc. etc. Ah, ça, c'est un autre problème, on va y venir si vous voulez. Non, l'objectif, et on le dit dans le rapport, c'est d'avoir un prix raisonnable. Alors, un prix raisonnable, c'est le prix qui va et qui est économiquement viable pour que la structure puisse faire son travail. Je rappelle que dans la loi, l'eau doit payer l'eau. C'est-à-dire que si vous investissez, si vous distribuez, vous avez des employés, il faut que le prix de revient puisse permettre à la fois de rémunérer le personnel, mais de pouvoir faire dégager des bénéfices ou suffisamment, nous ne sommes pas une entreprise privée, pour pouvoir réinvestir et entretenir. Et c'est l'une des difficultés qui s'est fait jour, qui fait qu'on n'a pas pu investir, qu'il faut subventionner constamment alors que on aurait l'équipement, les sociétés auraient dû pouvoir équilibrer leurs comptes. Voilà, donc on va travailler sur ce prix-là, c'est pour ça que je dis c'est le prix raisonnable et raisonné. Alors, dans la définition du rapport qui est dit, il s'agira d'arriver à une péréquation. Donc cette péréquation-là, on va le définir ensemble pour savoir s'il y a des endroits peut-être qui va peut-être augmenter, d'autres qui vont baisser. Bon prix moyen, ce serait quoi? Mais là, on ne sait pas. Ce qu'on sait, sur lequel on a travaillé, c'est actuellement sur le prix de vente de gros, qui est de 0,80. C'est-à-dire qu'on produit et les acheteurs, en gros, c'est-à-dire Cap Excellence, la communauté du Nord-Grand Est, ils achètent au prix de gros actuellement au SIAG à 0,80 centimes. Ils revendent 2 euros à peu près? Voilà, à peu près cela. Mais quand on sait que lorsqu'ils achètent 1 mètre cube, ils ne distribuent que la moitié, on voit tout de suite qu'il y a un déficit. Il y a une perte, Donc d'où l'objectif de régler ce problème de réseau. Alors on a reçu M. Germain Parent la semaine dernière, donc, qui est président du comité de défense des usagers. Je voulais savoir quelle est votre position du coup sur la mobilisation des usagers qui veulent intégrer le syndicat. Justement, je complète, il demandait
à être membre de ce syndicat. Voilà, le syndicat. Alors, tout d'abord, je voudrais rappeler quelle est la composition actuelle qui est prévue dans les statuts. Il est prévu donc deux membres par entité, les deux collectivités majeures, puisqu'on a fait trois strates, le conseil départemental et le conseil régional, ensuite les EPCI, donc les interco, et de Maille-Galante, l'intercommunalité de Maille-Galante, et les communautés d'agglo. Auront deux membres aussi. Trois structures consultatives, l'Office de l'eau, avec un membre, la CCI, un membre, la Chambre de commerce, un membre. Vous voyez, de telle sorte que nous ayons une structure réduite, 18 membres, mais avec des voix proportionnelles. Et pas pour les usagers, Alors, j'y viens, puisque c'est la question. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà prévu dans les statuts ce qu'on appelle une commission consultative des usagers. Alors, ce commission consultative, bien sûr, n'est pas membre officiellement de la structure. Elle est prévue de par la loi. Donc, elle est déjà intégrée. Personnellement, je ne suis pas fermé, et je pense que j'ai consulté beaucoup de gens, personne n'est fermé à ce qu'une structure représentative des consommateurs puisse être membre. Il faut regarder au regard de la loi si un syndicat mixte ouvert peut le faire. S'il peut le faire et que le syndicat étant créé, rien n'empêchera de pouvoir intégrer cela, parce qu'il y va de l'intérêt des consommateurs et d'être acteur de ce processus-là. D'accord. Alors, j'y viens sur le problème que vous posiez sur les factures exorbitantes. C'est une anomalie, parce que ce n'est pas normal, d'où, en discutant d'ailleurs avec M. Perrin, l'utilité et l'Office de l'eau l'a mis dans ce qu'on appelle notre plan d'investissement, d'avoir des compteurs qui soient fiables. Oui. Et c'est ça l'un des problèmes. Pour ce faire, il faudrait revenir à des endroits. Je sais qu'il y a un opérateur qui a commencé déjà à certains endroits de la groupe à remplacer des compteurs qui sont anciens. Il faut également que tout le monde paie l'eau. Oui, mais comment faire quand vous avez déjà une facture de 17 000 euros, est-ce qu'il faut d'abord la payer ou alors... Non, enfin, j'en sais rien, on n'est pas opérateur, nous, au fils de l'eau. Ce qu'il faudrait, et ce que j'ai dit à plusieurs personnes, et ce que nous avons proposé au préfet, c'est qu'il y ait un médiateur de l'eau. D'accord. À l'instar de ce qui existe au niveau national, il y a des médiateurs pour ça, dont le rôle pourrait être de voir ce qui est bon de faire, d'arriver peut-être à une péréquation, de voir ce que la personne a l'habitude de payer et d'arriver à une moyenne, quelque chose que la personne a l'habitude de payer qui ne soit pas quelque chose d'exorbitant. D'accord. La deuxième chose, puisqu'on l'a vu de par la loi, c'est que c'est nécessaire si on veut pacifier cela. Mais il faut aussi que parallèlement à cela, que les compteurs soient revus, réinstallés, renouvelés, et que les gens aient des abonnements corrects. Alors, quelles sont les modifications, à votre avis, que Mme Lucette Michaud-Chéry souhaiterait apporter au statut? Alors, à ce stade, moi, ce que je peux dire, pour en avoir discuté avec elle plusieurs fois sous les tables rondes qui ont été organisées, c'est qu'elle n'est pas contre cela. Et quand je vois aujourd'hui dans un journal qu'elle dit qu'elle n'est pas contre, mais qu'il faut commencer par les réseaux, et que depuis X années ou 50 ans, voire puisque ça fait très longtemps qu'elle a occupé les plus hautes fonctions, je dis qu'il faut quand même, à un moment donné, passer à ce stade. Elle dit qu'il faut commencer par régler le problème des réseaux. Mais justement, l'objet de ce nouveau syndicat, c'est de s'attaquer à ce problème fondamental que les réseaux, puisque nous avons, dans le cadre du plan d'urgence, attaqué le problème de la production. Et l'exemple qui est donné, puisque nous étions sur le terrain ADE, c'est que le conseil départemental met depuis quelque temps beaucoup d'argent pour justement améliorer ces réseaux-là. Je rappelle qu'à Sainte-Anne, nous allons commencer à attaquer le problème des réseaux. Sur le port, lui, l'Office de l'eau a financé des kilomètres de réseau, etc., etc. Donc, si on attend, on n'aura jamais fini. Or, les investisseurs nous disent, mettez-vous d'accord, l'État nous dit, mettez-vous d'accord, de telle sorte que je puisse effectivement voir un plan global sous la Guadeloupe, d'accord, de telle sorte qu'on puisse financer. Nous avons rencontré l'AFD qui nous dit, mais mettez-vous d'accord, chaque personne va me demander 1 million, 2 millions. Non, je veux voir, nous voulons voir un plan global sous la Guadeloupe. Et nous finançons. Voilà un petit peu ce que je vais répondre sur la position de la CASBT, qui, et quand on regarde au niveau du à la fois du comité de bassin de l'organisme, mais également de l'Office de l'eau, Mme Panchard, qui est le maire de Basse-Terre, y siège, elle dit la même chose, elle est favorable à cette structure unique. Mais oui, mais alors, est-ce que cette structure se fera sans Basse-Terre ou avec, parce qu'il y a quand même 11 communes dans le bassin,
Et si on avait écouté un peu ce qui était prévu, c'est-à-dire la date du 14, théoriquement, le préfet aurait dû avoir déjà signé, j'ai envie de dire, le bon de commande du syndicat d'eau, du nouveau syndicat. Est-ce qu'on va attendre Bastère ou on va essayer de la convaincre ou alors on dit, bon, m'en fous, on y va. Je rappelle deux choses. Un, lors de la dernière réunion que nous avons eue pour la poursuite du comité de pilotage politique, le président de région nouvellement élu, M. Harry Chalus, s'est proposé d'aller jouer le médiateur auprès de Mme Chevry, présidente de la CSBT. Je pense qu'il a dû le faire, il va continuer. Je rappelle une deuxième chose, c'est que le syndicat est un syndicat mixte ouvert à la carte. Donc celui ou celle qui n'est pas, ou celui qui n'est pas entré aujourd'hui dedans peut rentrer plus tard. D'accord. Voilà. Réponse très simple. J'ai tiré une question. Donc c'est bon, du coup le projet ne sera pas bloqué, vous pensez? Non, le projet le projet ne sera pas bloqué, même si une personne n'entre pas dedans aujourd'hui. Alors, autre question, alors là c'est une question un petit peu plus politique, c'est la question de la présidence. Beaucoup de prétendants en ce moment, il y a quelque chose à gagner à être président de l'eau, je ne sais pas, je pose la question. Qu'est-ce qui existe et explique autant de mouvements dans l'eau? Tout d'abord, comme je vous le disais en aparté tout à l'heure, il me semble raisonnable de constituer d'abord la structure. Oui. Oui. Lorsqu'on constitue la structure, on regarde parmi les membres élus, puisque tout le monde n'a pas encore été désigné, qui est le plus à même à conduire le comité syndical. Donc à la date d'aujourd'hui, moi je ne veux pas me prononcer sur qui, X ou Y, l'essentiel. Mais il y a un profil, il y a un bon profil pour être président. Alors, on le définit dans les statuts. Oui. On dit que, pour être président, il faut être maire ou vice-président d'une communauté d'agglos. Voilà les indications qu'on donne. De telle sorte que celui qui est en charge, ou celle qui sera en charge de la présidence, soit quelqu'un qui soit en responsabilité, qui soit un élu en responsabilité. Voilà très précisément ce qui est... Les critères de base. Oui. Maire ou un vice-président ou un comité d'agglomération. Là, ça élargit le spectre. Il y a beaucoup de maires. Non, mais il y a deux représentants par entité. Donc, on est 18 membres. Hein, il y aura 18 membres. Et on peut déjà exclure les deux, parmi la présidence, les deux collectivités. Oui. Et les trois entités consultatives que sont l'Office de l'eau, la CCI et la Chambre d'agriculture. Donc les potentiels sortent des EPCI. D'accord. Et de la communauté d'agglo de Magalang. D'accord. Et donc, c'est une de ces personnes qui risque. Alors, autre chose, c'est la question de l'Office de l'eau. C'est un office qui a été créé il y a quelques années. Et la question qui se pose, savoir quand deviendrait cet Office de l'eau quand il y aura un syndicat Haute-Guadeloupe. Alors, d'ailleurs, juste une question. Le syndicat va s'appeler Haute-Guadeloupe mais... Alors, c'est Haute-Guadeloupe. C'est ce qui a été retenu. Oui. Donc, c'est fini. Hein, oui, dans le projet de statut, c'est ce qui est porté. D'accord. Alors, donc... Alors, s'agissant de l'Office de l'eau, je rappelle aux téléspectateurs que l'Office de l'eau, c'est un établissement public adossé au conseil départemental, anciennement conseil. Le président de droit... C'est la présidente du conseil départemental. Okay. Je ne suis que le président délégué qui fait fonction pour amener cette structure. Donc cette structure est le pendant, si vous voulez, de ce qui existe en France, des agences de bassin. Il existe un office de l'eau en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Saint-Pierre et Miquelon. Enfin, c'est cela. Et donc ces structures-là, leur vocation, c'est de faire des études, d'accompagner les collectivités dans leurs dossiers de prospective sur l'eau et l'assainissement, de financer des projets, de participer aux projets avec les redevances que nous percevons, ce qui permet aujourd'hui, et comme je l'ai dit en préambule, d'accompagner et de financer, voire à 100%, c'est ce qu'on a fait sur notre grande terre, des projets d'investissement, mais également des projets d'assainissement, des projets d'études, parce qu'il faut bien sûr étudier plein de choses qui sont nécessaires sur ces dossiers d'assainissement. Donc l'Office de l'eau continuera sa mission, puisque ce n'est pas sa vocation de gérer l'eau, et donc elle continuera, comme je l'ai dit, sans me répéter, sa mission. Donc, bonne question pour l'instant. Alors, je vais revenir sur un point qui a fait couler beaucoup d'eau, à défaut de l'encre, c'est la question des multinationales. Vous savez que depuis LKP, 2009, on a beaucoup parlé du syndicat unique de l'eau, etc. Ce n'est pas une nouveauté, même avant, mais on en parlait déjà.
Et j'ai cru comprendre que particulièrement les gens du LKP, les gens du comité de l'eau, se sont souvent plaints du fait que l'eau était entre les mains des multinationales qui s'enrichissaient, etc., etc. On a beaucoup parlé là-dessus. Est-ce que ce syndicat de l'eau, c'est, on peut dire que c'est une barrière, c'est un contre-feu, si on peut parler comme ça, c'est vraiment un paradoxe, pouvoir remettre l'eau entre les mains des Guadeloupéens? Alors, tout d'abord, plusieurs choses. Je rappelle également que dans les définitions, dans les attendus, on fait toujours référence, et nous, à l'Office de l'eau, lorsque nous prenons nous avons pris des délibérations sur la constitution du syndicat unique, lorsque nous avons émis des vœux, on a fait référence régulièrement dans nos délibérations de mouvement du LKP de 2009. Donc, on en tient compte. La deuxième chose, c'est que, quand vous voyez ce qui s'est passé lorsque le SIAG a repris la main, le SIAG a intégré plus de 115 personnes aujourd'hui de la Générale des Eaux. Il faut savoir que la Générale des Eaux a des contrats qui courent dans certaines communes, dans certaines collectivités, dans certains EPCI, tant pour l'eau que pour l'assainissement, jusqu'à 2020 pour certains. Il y en a qui s'arrêtent maintenant, il y en a qui continuent en 2018. Donc, il appartient à chaque collectivité de voir si elle poursuit ou pas avec ces multinationales. Je vous rappelle, il n'y a pas que la Générale des Eaux, il y a la Nantaise, il y a la CGSP qui sont sur place, qui n'ont pas que des fonctions aujourd'hui de distribution d'eau, mais qui font aussi des réseaux. Donc, ce sont des entreprises de travaux publics également. Donc, il appartiendra au syndicat de dire si elle travaille en direct en régie ou pas. Je rappelle qu'il existe des régies. Aujourd'hui, le SIAG a une régie. Et de continuer ce travail. Donc, le processus que les élus prennent la main, et c'est ce que la main, est enclenché. Mais les multinationales, les entreprises existent, ils ont des employés. Il appartiendra aux élus de savoir s'ils continuent, s'ils donnent encore des contrats ou pas, et comment à ces structures qui travaillent en Guadeloupe depuis fort longtemps. Mais en tout cas, le constat est là, c'est que la constitution du syndicat permet de prendre en compte les desiderata à la fois du LKP, mais des comités de l'eau, etc., de par la création de peut-être la dernière question, vu qu'il est 12h54, on va peut-être se quitter. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'eau paie l'eau, l'eau doit payer l'eau. Est-ce qu'avec le syndicat, c'est la garantie pour les Guadeloupéens, en tout cas, les gens qui ont eu beaucoup de problèmes, on en a parlé, des factures très lourdes, qui n'ont pas eu d'eau, les coûts d'eau, etc., les tours d'eau. Est-ce qu'aujourd'hui, l'eau paiera l'eau avec ce nouveau syndicat, puis c'est une garantie C'est l'objectif à atteindre, en tout cas, c'est de coller à la loi. Et quand vous voyez ce que dit le Comité national de l'eau, parce que nous sommes dans un processus, je ne pense pas que nous soyons très en retard, je dis parce que le même processus est en cours dans beaucoup de régions françaises, de regroupement dans des régions de petites communes qui avaient un syndicat par-ci, un syndicat par-là. Même à Paris, d'ailleurs. Paris a créé un grand syndicat. Tout à fait. Et qui a permis de sortir une grosse entreprise privée. Oui. Donc, le processus n'est pas propre à nous. Au contraire, on a intérêt à anticiper parce que quand on regarde ce que prévoit la loi Nautré, qui demande beaucoup de regroupements. La France est sortie de 22 régions et passée à 13 régions. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a une nécessité de mutualiser, de regrouper ses forces pour être plus efficace, plus efficient dans l'intérêt du consommateur guadeloupéen. Marcel Siliscar, je ne peux pas ne pas vous poser la question. Les élections départementales, on sait qu'il y a eu, entre guillemets, un petit souci. Quel va être l'agenda en ce moment? Où en est-on réellement? Pour le moment, je ne peux pas vous dire. Oui. En tout état de cause, vous voyez, je continue ma mission à la fois à Pointe-à-Pitre, aux côtés du maire de Pointe-à-Pitre. Donc vous êtes toujours élu? Je suis toujours élu départemental, puisque je rappelle que la décision du tribunal administratif de Basse-Terre ne nous a pas suspendu. Oui. Marlène Mélisse, ma collègue, a fait appel. Le Conseil d'État doit statuer. Et nous verrons ce qui... Le couple Mélisse-Siliscar, c'est fini ou ça va continuer? Nous verrons. Ce que je peux dire, pour être clair, c'est que nous, au PPDG, nous avions pris la décision, si tant est qu'il y a une nouvelle élection, c'est d'aller
avec un autre binôme, mais aujourd'hui les choses peuvent changer. En tout cas, c'est ce qui est prévu. J'espère que si Marlène Mélis gagne au Conseil d'État, nous allons continuer à œuvrer ensemble. C'est tout ce que je peux souhaiter, parce que Pointe-à-Pitre en a besoin, la Guadeloupe a besoin de sérénité, et je vais continuer en tout état de cause à travailler auprès de la population, pour la population pointoise d'abord, et pour la population de la Guadeloupe. Bien, ben écoutez, on vous remercie d'être venu nous porter ces précisions sur l'eau. En tout cas, on prend date. On n'a pas un véritable calendrier pour ce syndicat réellement. Ben, j'attends que les éléments sont des éléments du préfet. Le préfet, décidément, c'est aussi là du travail, puisque la question de M. Rinson est aussi entre ses mains. Décidément, je pense qu'il va devoir qu'on le fasse venir un petit jour dans le ZCL pour qu'il s'explique. Voilà. Merci d'être avec nous. Avec Jessie, tout à l'heure, on va continuer l'info. On va recevoir Esther Myrtille qui est là, qui s'impatiente, on a l'impression. On va voir ça tout à l'heure. Pour l'heure, c'est l'heure de la pub. Et on se retrouve tout de suite après. Voilà, il est 13h02 minutes et comme a indiqué, on va recevoir tout de suite, dans un instant, Esther Myrtille. Pourquoi je dis Esther? C'est Esther Myrtille, comédienne depuis moult années. Mais pour l'instant, on va d'abord dérouler l'information et c'est notre Jessica Nationale. Il y a Lucas. On reçoit presque un canon, ça cause Jessica. Donc Jessica qui va tout de suite ouvrir avec les premiers titres de l'information. Et samedi dernier, l'ARS a révélé les deux premiers cas de Zika en Guadeloupe. Le premier cas est celui d'un homme à Saint-Martin et le deuxième cas est une petite fillette résidant en Grande-Terre. L'ARS lance donc une nouvelle alerte à la vigilance et à la prudence. Maxime Morel a interviewé M. Patrick Saint-Martin, directeur du pôle veille et sécurité sanitaire à l'ARS. Les deux cas faisaient partie des cas suspects qui sont connus de nos services depuis la fin de décembre 2015. Le temps d'avoir les prélèvements, le temps d'organiser l'acheminement de ces prélèvements à Marseille et d'avoir les résultats, ce sont les deux premiers qui sont positifs, un à Saint-Martin, résident à Saint-Martin, l'autre résident en Grande-Terre. Les enquêtes sont en cours actuellement, il faut déjà informer ces personnes. Les enquêtes sont en cours pour savoir si dans leur maison ou autour de leur maison, il y a une présence particulière de moustiques et savoir si elles ont pu être contaminées, soit chez elles, soit sur leur lieu de travail, soit pour la jeune personne, la fillette en question, si elle a pu être contaminée à l'école, par exemple. Donc il faut vraiment que ces enquêtes aboutissent pour qu'on sache un peu plus sur le lieu éventuel de leur contamination. Le risque épidémique, il existe toujours, hein, puisque le virus n'a jamais circulé ici. C'est un virus nouveau pour nos populations. On l'a connu avec le chikungunya. On connaît régulièrement avec les quatre sérotypes de dengue des épidémies. Le risque épidémique, il est réel. Simplement, nous espérons que la mobilisation dès le début des premiers cas, aujourd'hui on peut dire que le virus commence à circuler, que cette mobilisation permettra d'éviter une épidémie de grande ampleur. On a à peu près les mêmes symptômes que pour des cas de dengue. En gros, ce sont une fatigue, une fièvre plus ou moins forte. Ce qui caractérise le Zika quand même, c'est l'apparition de rougeurs, hein, de plaques, de boutons rouges qui est très particulière, qu'on n'a pas souvent en chikungunya ou en dengue. Et puis nous attirons l'attention des femmes enceintes, vraiment si elles ont ces symptômes, elles doivent en parler à leur médecin, aux médecins, à leur gynécologue, aux praticiens qui suivent la grossesse, parce que nous constatons qu'au Brésil où cette épidémie de Zika sévit, une épidémie de Zika sévit actuellement, un certain nombre de femmes enceintes qui font un Zika, ce Zika peut entraîner des conséquences sur le bon développement de leur enfant à naître. Bien évidemment, il faut tout faire pour éliminer les moustiques dans son environnement proche, hein, parce que vous ne pouvez pas savoir si les moustiques sont porteurs du virus ou pas. Donc il faut vraiment diminuer cette population de moustiques dans les maisons,
autour des maisons pour diminuer le risque finalement de se faire piquer. Après, il y a, ce sont les mesures que tout le monde connaît, les mesures de bonne gestion de l'environnement, de bonne gestion des déchets, de bonne gestion des réserves d'eau pour éviter la prolifération des moustiques. Et l'île de la Barbade a également enregistré ses 3 premiers cas de Zika. On le rappelle, la vigilance est de mise, surtout pour les femmes enceintes. Et toujours dans le même thème, dans le cadre des Journées de la Santé, patronnées toute cette semaine par l'ARS, le CREPS recevait ce matin tout le public pour sa matinée porte ouverte. Une matinée placée sous le thème, bien sûr, donc de la santé. Vous pouviez assister à un atelier diététique, participer à l'espace de parole, passer des tests d'aptitude physique et avoir des consultations gratuites. Maxime Morel était sur place. Alors, ma raison ici, déjà pour plusieurs motifs. Déjà en tant qu'éducatrice bénévole de jeunes enfants, ensuite bientôt peut-être éducatrice professionnelle sportive. Donc je dois venir me renseigner sur tout ce qui est la médecine du sport, autour des blessures, l'accompagnement des performances, l'accompagnement des sportifs. Et moi-même aussi étant sportif, il y a des renseignements autour de la médecine, des informations autour du corps même. Donc j'ai trouvé que cette journée n'était pas autant pour que je sois là pour venir rencontrer des professionnels en place pour poser les questions. Et très enrichissante. Nous avons une chevillère stabilisatrice dans le système. Elle s'appelle Maléodinasta Boa. Système Boa, c'est ce système. On ouvre. Le patient va pouvoir passer. C'est la cheville, hein, normalement. Sa cheville, son pied. On referme. Et vous avez un système pour strapper. Voilà, c'est la nouvelle génération. Nous avons une série de salles d'évolution. Donc lorsque, par exemple, le kiné propose de faire certains petits exercices pour corriger un mouvement ou autre, donc on a la salle d'évolution avec, qui est bien outillée avec des ballons, des barres pour faire les exercices. Alors avant, la structure était essentiellement réservée à tout ce qui était préventif et curatif pour les sportifs du CREPS, mais depuis janvier 2015, la structure est ouverte au public extérieur. Donc nous assumons l'ensemble des demandes, des consultations externes, que ce soit pour sportifs ou pour de la médecine générale. On a des publics très intéressés par les différents soins que l'on propose ici, notamment des choses un peu novatrices, hein, comme les consultations pluriprofessionnelles ou pluridisciplinaires, où on a pour habitude de travailler entre différentes disciplines pour répondre à des problèmes de santé. En fait, je suis pédicure-podologue et donc je voulais me renseigner un petit peu, voir comment ils travaillent au CREPS, un petit peu voir et tout ça, tout ce qu'ils proposaient. Pour voir, c'est toujours bien en tant que podologue de savoir toutes les structures qu'il y a dans une région pour pouvoir envoyer des patients ou travailler avec ces personnes. Ça met toute la profession médicale en valeur et après ça allie aussi le sport et le médical qui sont deux choses qui vont ensemble pour rester en bonne santé et mettre en avant et promouvoir la santé par le sport et aussi par les professionnels de santé. Pour nous, c'est une journée essentielle hein, puisqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une organisation plus globale sur l'ensemble de la semaine avec le groupement d'intérêt public RASPEG hein, au niveau de la Guadeloupe, donc la réunion des réseaux de santé de Guadeloupe. Nous sommes bien entendu partenaires et dans ce cadre-là, ça nous a semblé important et intéressant d'organiser une matinée porte ouverte sur ce centre de santé puisque les usagers, nos clients connaissent le CREPS à travers ses sportifs, puis à travers le suivi médical de ces sportifs. Et aujourd'hui, on va bien entendu beaucoup plus loin puisque nous faisons du soin pour la population guadeloupéenne. 13h10 dans le ZCL et on rentre dans la partie, on va dire, artistique aujourd'hui puisque ça va être le mois de l'Afrique. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette manifestation qui est biennale. Tous les 2 ans, il y a cette manifestation organisée par l'association Racine et notre amie Marie-Josée Tyrolien qu'on aura l'occasion de recevoir. Mais en attendant, on va parler d'une pièce de théâtre que vous verrez dans les jours qui viennent. C'est une pièce de théâtre qui s'appelle comme un roman très connu de Camus, mais c'est au féminin, L'étrangère. C'est une pièce qui a été écrite par un journaliste africain qui s'appelle Kaya Makele, c'est bien ça? Tout à et fait. Et je reçois aujourd'hui avec Jessie, on reçoit Esther Myrtil. Ma langue fourche toujours, c'est pas grave. Alors Esther, cette pièce L'étrangère, il faudrait peut-être nous la résumer sans trop en dire. Il y a deux personnages importants, Yemandia.
la déesse de l'eau. Oui, il y a deux personnages principaux, si vous voulez. Mais en même temps, on dira que tous les personnages sont importants dans cette pièce parce qu'ils amènent une singularité. Alors effectivement, ça se passe entre Yemanja, qui est la déesse de la mer, notre maman de l'eau, comme on dit en créole, et puis Balikul, qui lui représente le pouvoir politique. D'accord. Alors c'est une sorte de duel, c'est un duel, c'est une dualité qui est mise en exergue entre le pouvoir politique, le rationnel, tout ce qui est pragmatique et la spiritualité, toutes les valeurs que nous pouvons défendre et que le rationnel ne peut pas toujours justifier ou expliquer. L'humanisme, par exemple, de Yemanja dérange considérablement notre personnage que nous appelons Balikul, qui lui est à l'extrême opposé et qui est dérangé justement dans cette histoire que ce soit une femme qui prône ces valeurs-là. Donc il y a une sorte de fight, comme on dit, comme disent les jeunes, une sorte de duel, une opposition avec des contrastes et aussi des choses qui peuvent surprendre, c'est-à-dire toute cette résonance. Bon, je trouve que c'est une thématique qui a encore des résonances dans notre époque actuelle, puisque nous sommes tout le temps dans des paradoxes, d'où la nécessité de l'appeler une tragédie. Qu'est-ce qu'une tragédie? Eh bien, attention à ne pas ramener la tragédie à la suprématie grecque. Parce que souvent, quand on parle de tragédie, eh bien, on pense à la Grèce, mais je ne vais quand même pas faire un cours d'histoire là. En ce moment, ce n'est pas le propos, mais on sait très bien que tout n'a pas commencé par là. Et que moi, je dirais avec beaucoup d'humilité que la tragédie, elle est universelle. Et cette tragédie qu'a écrite Kaya Makele, elle devient la nôtre. À travers les plaintes, à travers la danse des corps, à travers le chant, à travers la mémoire exhumée, à travers l'invisible qui vient nous parler, à travers le bigidi, à travers le tombé levé, tout cela, ça constitue une véritable dramaturgie, une véritable tragédie et dont on peut, qui devient nôtre, tout simplement. D'accord. Jessie, alors, quelles sont les émotions que vous souhaitez susciter, en fait, chez les spectateurs, en fait? Déjà, oui, je commencerai par dire que je ne fais pas partie des comédiens qui veulent susciter une émotion particulière sur le spectateur. Je dirais tout simplement que le spectateur, le public, est libre de s'approprier de ce que nous lui livrons, de l'accueillir comme il le ressent. La seule chose que je pourrais dire, c'est que ce type de pièce demande énormément d'écoute. C'est vrai, c'est un théâtre qui s'écoute. C'est la tragédie, ça s'écoute, ça se vit, le regard entre le visuel et la sensation intérieure. Donc il y a énormément d'attention à y accorder. On aura du chant, de la danse, non? Oui, bien sûr. Ah oui, il y a de beaux moments, il y a beaucoup d'émotions. Si le public, de toutes les manières, c'est vrai que votre question, elle est très pertinente parce que traditionnellement, on colle à la tragédie, ce qui est vrai, la catharsis, c'est-à-dire que nous attendons que le public soit sous la fascination, c'est-à-dire s'identifie même au héros, ou aller au masculin ou féminin. C'est vrai qu'il y a ce côté catharsis, identification, mais il y a aussi une note d'espoir, une note très humaniste dans cette pièce on n'en sort pas idem. Très, très honnêtement, on n'en sort pas idem. D'accord. Mais alors, moi, je me posais la question, vous êtes comédienne, vous connaissez comédienne, et puis vous êtes passée de l'autre côté, c'est le cheminement normal d'une comédienne ou d'un comédien? Alors, cheminement normal, en tout cas, c'est un appel, c'est un appel, un attrait, une attirance qui naît chez le comédien peu à peu, au fur et à mesure qu'il chemine dans ses expériences. Il ressent le besoin un jour, parce que ça aussi, de passer de l'autre côté, d'accompagner, parce que la mise en scène, il n'y a pas que l'aspect technique des choses. Il y a, et souvent, on ne parle pas beaucoup de direction d'acteur, mais c'est vrai que je suis beaucoup ça, à la fois dans la direction et la mise en scène, mais c'est un tout. C'est un tout. Dans les théâtres russes, c'est très dissocié. On a des directeurs d'acteurs, on a des metteurs en scène, même en Europe. Mais il y a une sorte de conjugaison de tout ça, parce que j'aime avant tout accompagner l'acteur, parce que c'est un peu moi.
Je grandis, en fin de compte. Je grandis dans le corps de l'autre. En voyant un acteur jouer, il y a quelque chose de moi, quelque part, hein, l'avoue, hein, qui est en train de... Voilà. Donc, je me projette dans le corps de l'autre, quoi. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais Esther, je vous pose la question parce que, à ma connaissance, je ne connais pas beaucoup de metteuses en scène. Je ne sais même pas si le féminin existe en Guadeloupe. En tout cas, je connais toute la clique habituelle des Lewis, des Cancel, etc., etc. On parlait tout à l'heure de José Igui, mais pas lui, des frères de Petit Beau, comment ça s'appelle ? Gernidier. Des Gernidier. Mais je ne connaissais pas de femmes en Guadeloupe, en tout cas, qui faisait de la mise en scène. Vous êtes la première ou la deuxième? Je ne peux pas me permettre de dire que je suis la première. Ne serait-ce que par respect pour Patricia Cancel qui vient de mettre en scène. Patricia. C'est pas grave. Viens et vois. Oui. Viens et vois. Oui, donc et puis il y a eu d'autres femmes aussi comme Eliane Cancel. C'est vrai que tu as cité le nom de famille Cancel. On sait que c'est une. Oui, c'est une famille. Le comédien. Voilà. Mais non, d'autres femmes ont mis en scène avant moi et heureusement d'ailleurs. Hein, mais je souhaite aussi, très honnêtement, voir la relève. Oui. Je veux dire, la génération des 20-30, allez, lancez-vous. On a envie de voir une relève. Voilà, il faut y aller, quoi. Mais justement, comment se porte le théâtre un peu en Guadeloupe? Il y a un besoin. Moi, je ne suis pas d'avis à dire ce qui marche, c'est tel type de théâtre et que les autres, ça ne marche pas. Je ne fais pas ce genre de truc. La seule chose que moi je dis, ça se sent, c'est palpable que le public aujourd'hui a de plus en plus envie de voir des gens devant eux, des êtres de chair et de sang qui viennent témoigner du courant de vie qui les traverse. C'est ça. C'est ça qu'il faut retenir, parce qu'il y a des angoisses, on ne va pas faire le procès à la vie actuelle, mais on savait que ça devient de plus en plus difficile, on est de plus en plus sous tension, des fois on a besoin de sortir de soi ou d'y revenir, mais en tout cas on a besoin de ce genre de projection, c'est nécessaire, et pas seulement sur le plan scénique, parce que souvent quand on parle de théâtre, on voit effectivement spectacle, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le théâtre, c'est tellement profond qu'à l'intérieur du théâtre, il y a des ramifications. Il y a des artères, on peut entrer dans les entreprises, on peut accompagner le milieu hospitalier, on peut aller dans le milieu pénitentiaire. Vous voyez, donc il y a toute forme, c'est avant tout une aventure, un besoin d'altérité, c'est avant tout une question humaine. Et la question d'humanisme, eh bien, ce n'est pas que les auteurs dont on nous a parlé, c'est aussi, il appartient aux artistes aussi de s'inscrire comme aux écrivains, aux intellectuels comme on les appelle, de carrément laisser des traces là-dessus. Oui, mais je rebondis sur la question de Jessie. C'est vrai que il y a un moment, le théâtre guadeloupéen était flamboyant. C'est vrai. Il y avait beaucoup de productions, pas un mois sans. Je ne parle même pas de la période où il y a le Festival du théâtre, les Abîmes, bon, qui se fera l'année prochaine, j'imagine, ou cette année, je ne sais pas, on ne l'a pas vu l'année dernière. Et puis, quand on voit, par exemple, la programmation de l'archipel, il n'y a pas beaucoup de pièces guadeloupéennes qui sont. La question douloureuse. Ouais. Eh oui, la question, franchement, parce que. De plus en plus, je ne vais pas faire de procès, mais c'est une réalité. Les besoins de la population changent en fonction de ce qui leur est proposé. Est-ce qu'on ne va pas non plus condamner les réseaux sociaux? On ne va pas condamner... Mais il est vrai que les modèles deviennent de plus en plus uniformes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'identification se fait par rapport à d'autres modèles. Et c'est vrai qu'il y a une grande part de nous, de notre culture, de notre sensibilité que nous avons tendance à délaisser quelque peu, mais ma foi, sous couvert de probablement de il faut grandir, il faut s'ouvrir au monde. Alors on pense que justement que l'universel c'est justement faire abstraction de sa singularité, alors que ce serait bien d'aborder l'universel à partir du prolongement de sa singularité. Mais voilà. Très bonne réponse. En tout cas, alors Esther, vous allez nous dire les dates de ce spectacle. Tout à fait. Il faut voir absolument. Tout à fait. Il faut absolument que le public guadeloupéen s'approprie
de cette histoire et qu'ils réagissent et qu'ils nous et nous sommes disponibles pour toute rencontre, tout débat. Alors il y a des dates. La première, c'est celle de demain, c'est-à-dire le 19 janvier. Il y a une séance scolaire qui sera prévue à 14h. Et 19 janvier, donc 20h à Centre Robert Loison du Moule, 20h pour le tout public. Nous avons également celle du 29 janvier à l'Amphi Méro de Fouillol à 19h précise. Et puis, bien évidemment, celle du 25 février au Centre culturel de Saunis. Alors, dans la distribution, j'aimerais quand même rappeler qu'il y a des personnes que le public guadeloupéen va découvrir. Et c'est une occasion de rencontre, c'est une occasion d'être surpris. Voilà, c'est une occasion aussi de relever des défis. Alors nous avons des comédiens, des comédiennes que certains connaissent déjà, comme Martine Bourria, Carole Raboteur, Alexandra Gadjar. Nous avons également Corinne Alpic, une chanteuse qui travaille avec nous sur cette pièce. Nous avons Sandro Breil, nous avons également Rudy Durimel, ensuite Charles Montauban. Marie-José Tyrolien. Marie-José Tyrolien également. Elle n'a pas souhaité qu'on nomme son nom la première, mais c'est vrai qu'elle est là et qu'elle surprendra beaucoup de gens aussi. Voilà, je ne pense pas avoir oublié quelqu'un, voilà, donc 7 comédiens, voilà, sur ce projet. Avec de la musique aussi, il y aura des chants et de la musique sous cette production. De la musique, oui, il y aura des belles choses, des apports culturels, on est dans cette dramaturgie qui est la nôtre, celle de l'Afrique, la nôtre, celle du tout monde, avec effectivement des choses qui ne relèvent pas forcément de l'écriture, mais qui peuvent, qui font aussi partie de notre dramaturgie. Voilà. Il y a des choses qui ne s'écrivent pas, mais qui se vivent. Et ces choses-là viennent compléter, habiller l'écriture, la très belle écriture de Kaya Makélé. J'avais oublié que nous avons également Gaël Désir qui travaille avec nous sur cette pièce. Voilà. Voilà, on a tout dit avec Esther Myrtil, qui est habitée par le théâtre depuis des décennies et passionnée, on le voit à ce qu'elle dit. On donne en tout cas le premier rendez-vous, c'est donc demain au Moule, 29 à 20h. Mm-hmm. Et puis on rappelle le 25 février et aussi 29 janvier, mais on aura probablement l'occasion d'y revenir et de recevoir Madame Tyrolien, présidente fait. De Racine, tout pour à fait. Un peu de ce mois de l'Afrique. Il est 13h23 et c'est Jessie Sanka qui continue le journal. Alors, l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité est passée l'année dernière d'un établissement privé à un établissement public administratif. Selon la ministre des Outre-mer, Georges Pau-Langevin, ce changement conduira à une meilleure maîtrise de l'évolution des fonds publics mis à disposition de l'agence. Une cérémonie s'est déroulée vendredi dernier au ministère pour lancer la DOM dans son nouveau statut. Notre correspondant Maurice Cessé était sur place. Je crois qu'aujourd'hui, c'est particulièrement important puisque nous savons non seulement que nos jeunes doivent parfois trouver des solutions à l'extérieur de leur territoire d'origine, mais qu'ils doivent aussi essayer de revenir armés pour pouvoir occuper les bonnes opportunités dans leur territoire d'origine. Je crois que pour les personnels de l'agence, c'est un peu aussi la même chose. Ils ont su s'adapter quand les missions de l'agence ont évolué. On est passé d'une structure qui était davantage en charge sociale à une structure qui est calée sur la mobilité professionnelle. Je crois qu'aujourd'hui, notamment dans les personnels de direction, il y a aussi la nécessité de se renouveler, de bouger. Donc c'est une nouvelle équipe qui est chargée de mettre en œuvre l'action de la DOM à ce nouveau stade, puisque nous passons d'un stade de société d'État à un établissement public administratif. Et donc je crois que non seulement à la tête, à la direction, mais même dans l'encadrement intermédiaire, c'est aussi quelque chose qui est de nature à pouvoir donner du sang neuf et de nouvelle énergie dans l'action qui est menée. Je pense qu'une partie des faits que nous avons eu à déplorer dans la gestion de la DOM autrefois et que Jean-Claude Cadenet très courageusement a mis à jour était due finalement au fait que des équipes étaient restées longtemps sur place et peut-être avaient pris de mauvaises habitudes. Ce changement était indispensable pour la DOM, madame? Je pense que ce changement sera un plus pour la DOM. Vous voyez, au fil des années, la DOM gère des budgets de plus en plus importants. Aujourd'hui, entre ce
ce qui est formation professionnelle et continuité territoriale, ce sont des sommes tout à fait considérables. Par conséquent, il est important que nous arrivions à renforcer les processus de contrôle, de tutelle, pour éviter qu'il n'y ait parfois des moments un peu difficiles ou des erreurs comme ceux qu'on a pu rencontrer. Donc c'est une manière de sécuriser la place de la DOM dans la structure administrative. Le fait qu'aujourd'hui, en plus, les préfets soient directement associés à la gestion de la DOM, puisqu'ils sont devenus les délégués territoriaux, est une manière aussi de sécuriser la place que nous pouvons avoir à côté du service public de l'emploi, en liaison avec les élus régionaux. Et par conséquent, il me semble que les évolutions statutaires importantes que la DOM connaît aujourd'hui sont une manière de réaffirmer la confiance du ministère dans son opérateur et l'importance que nous accordons à l'accès à l'insertion professionnelle des jeunes des Outre-mer et à l'accès à l'insertion professionnelle tout court de... Yann Kounik, normalement. Pour la troisième année consécutive, la ville de Petit-Bourg accueille le tournoi international féminin. Du 17 au 23 janvier, des sportifs de haut niveau s'affronteront au complexe sportif Gaël Monfils à Colin-Petit-Bourg. Une conférence de presse se tenait vendredi dernier sur le site. Les images avec Jeff Taylor. Ça rentre dans l'objectif, dans le droit fil lorsqu'on s'est fixé. On a toujours voulu souhaiter faire que nous soyons une plaque tournante du développement du tennis dans la Caraïbe. Je crois que les choses avancent, hein, puisque vous avez parlé, nous avions déjà donc, quatre tournois internationaux, hein, deux tournois féminins, un à Petit-Bourg et l'autre à Saint-Martin, un tournoi international junior, un tournoi challenger et bien entendu la cerise sur le gâteau qui est la Coupe Davis France-Canada, le premier tour de France-Canada. C'est un challenge. Puisque lorsque le président Forbin, il y a 3 ans, nous avait proposé cela, nous avons dit que nous étions d'accord. En plus, c'était pour donner toute sa dimension à ce complexe que nous venions d'inaugurer. Et depuis, on voit qu'il y a une montée en charge au niveau donc, du tournoi. La première année, c'était une expérience. Ensuite, l'organisation s'est améliorée. Et cette année, ce sera encore meilleur. Je crois que les joueuses seront de plus haut niveau également cette année. Et ce que nous voulons, c'est mettre en place une stratégie sur les années à venir, sans aucun doute augmenter le price, de manière à avoir des joueurs encore de meilleur niveau. Et aussi que cela puisse servir de locomotive pour le développement du tennis à Petit-Bourg et voire au niveau de la Guadeloupe. Là, mon rôle consiste à faire respecter les règlements et à faire en sorte que les joueuses disputent le meilleur tournoi possible. Je suis aussi là pour aider les organisateurs à organiser le mieux possible ce tournoi. Donc, que ce soit une compétition homme ou femme, on va dire que c'est dans le fond, c'est un peu la même chose. Peut-être l'ambiance. Des fois, il est un peu moins électrique chez les femmes que chez les hommes. Il y a une ambiance un peu plus, des fois, détendue, mais on ne sait jamais. Donc, quoi qu'il en soit, c'est toujours agréable de travailler sur des tournois féminins. Ce sont des joueuses qui commencent à être professionnelles et qui ont vraiment l'envie de bien faire. Et c'est toujours un plaisir en tant que juge arbitre d'être sur ce type de tournoi-là. Je crois que nous nous sommes réunis hier avec les présidents de club pour profiter de cette Coupe Davis pour que ce soit un levier pour permettre encore d'aller plus loin dans le développement du tennis. Et nous allons donc mettre en place toute une série d'actions dès le 12 mars et le 19 mars, c'est-à-dire ensuite pour pouvoir permettre à la population guadeloupéenne de découvrir cette discipline, de découvrir cette discipline sportive qui est fabuleuse. Et donc, ce que nous allons faire, ça consiste d'abord en 2 journées portes ouvertes et ensuite des stages de découverte qui seront gratuits, qui seront mis pendant les vacances de Pâques à la disposition de l'ensemble des Guadeloupéens pour faire découvrir cette discipline et leur permettre d'aller vers nos clubs, ouvrir la porte de nos clubs. Et vous pourrez suivre donc l'actualité du tournoi ce soir avec Pascal Abattan dans son émission Challenge. Donc voilà, je vais juste rappeler les titres donc, de ce journal. On a les premiers cas de Zika donc, en Guadeloupe. L'ARS relance son alerte. Vous avez eu donc, ce matin la santé au Creps, où ils ont organisé donc, des matinées sur la santé avec des consultations gratuites, des échanges de paroles.
Et enfin, donc, la DOM qui a commencé donc, depuis ce vendredi dans son nouveau statut, puisqu'ils sont établissement public administratif. Voilà, il est 13h30 dans le ZCL de ce lundi 18. On vous remercie d'être avec nous. Bon appétit si vous n'avez pas fini. Et puis si vous avez raté l'émission, ben vous savez déjà, www.zcl.tv. On retrouve Jessie Sanka. Oui. On voulait dire aussi un grand merci à ceux qui nous suivent sur, sur Canal 10, donc à l'antenne, mais aussi sur le web. Oui. Parce que vous savez, vous pouvez donc regarder le carnaval en direct. Et ce week-end, on a eu beaucoup d'encouragements. Je ne vais pas tous les lire, mais on a Latichachi qui nous dit « Merci Canal 10, je me régale, super carnaval ». On a Marie-France Clairville qui nous a écrit « J'ai adoré ce carnaval qui nous a mis du baume au cœur, de la chaleur, du bien-être et surtout nous a réchauffé dans ce froid hivernal ». Alors, encore un grand merci à vous tous qui nous suivez sur le web et continuez à partager vos émotions avec nous sur les réseaux sociaux. Voilà, tout est dit. Merci Jessie, bon appétit. Vous allez déjeuner ? Non, pas encore, j'y vais là. Bon, ben voilà, on va vous accompagner. Allez, salut, c'est fini, c'est réalisation aujourd'hui, Mister Zébrist, et jusqu'à demain en tout cas. Et puis on se retrouve nous demain à partir de 12h30 sous cette antenne avec vous en direct dans le ZCL qui est aussi sur le www.zcl.tv. Voilà, c'est fait.